J'ai tellement hâte de vous montrer ces nouvelles perruques. Hé, hey, fais gaffe. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, Kelsey. Yark. Non mais sérieux, t'as une perruque? Oh, je... Éloignez-moi cette saleté. Hé, hey, pourquoi tu as fait ça? T'as un problème? C'est bien ce que je pensais. Et la prochaine fois, fais gaffe où tu vas, ou je serai pas aussi gentille. Hey, ne laisse pas qu'elle sait t'atteindre. Depuis que sa petite sœur est tombée malade, elle n'est plus la même. Celle-là, c'est une perruque ombrée. Et j'aime mettre cette barrette papillon dessus. J'adore! Après l'école, j'aimerais trop t'aider à faire des coiffures avec les perruques. Oh, oh! Regardez tout le monde! Beth n'a pas de cheveux. Son nouveau surnom devrait être Beth la Chauve. Oh, Beth! Arrête ça! Rends-moi ça! Oh, me dites pas que Beth la Chauve va pleurer. Dis cheese! Maintenant, toute l'école va savoir à quel point t'es ridicule. Bonjour à tous. Tout le monde au chapitre toi, s'il vous plaît. On va apprendre les fractions. Oh mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ses cheveux? Là, c'est elle. Quel monstre. Regarde, Beth la Chauve, la bête de cirque de l'école. Montre à tes amis. Tiens. Regarde. Hé, la Chauve, t'es une star. Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? Oh, détends-toi. Je veux pas que tu perdes tes cheveux à cause de ça. Oups, trop tard. C'est déjà fait. Kelsey! Je t'ai attendu. Il faut qu'on aille voir ta sœur. J'arrive. Salut la Chauve. Les sœurettes, comment tu vas? Maman, c'est quoi son problème? Pourquoi elle dit rien? La chimio a été très dure pour ta sœur, ma chérie. Je sais que tu ne l'as pas vue depuis un moment, mais... Elle a perdu ses cheveux il y a quelques jours et... Elle sourit plus depuis... C'est pas vrai. Je suis vraiment désolée, Maria. Je vais vous donner du temps à vous deux. S'il te plaît, Maria, sois pas triste. Tu te souviens quand on était petite? On jouait ensemble et on riait tout le temps. J'étais si heureuse. Comment je peux te rendre ton sourire? Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Chut. Salut Maria. Je suis Beth. Une des volontaires ici. Je t'ai apporté un petit cadeau. Laquelle aimes-tu? Voilà comment on la met. C'est
C'est super facile. Et tu peux même la décorer avec des petites pinces à cheveux. Tu veux en essayer une? On peut choisir celle-là. Est-ce que je peux la mettre sur toi? Super. Waouh. Ça te va vraiment bien. Qu'est-ce que t'en penses? On peut même l'accessoiriser avec cette petite pince papillon. Tu aimes? Je l'adore. Et je portais une pince à cheveux juste comme ça. Merci beaucoup. De rien. Je viendrai te voir demain aussi. Hey, attends! Je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai traitée plus tôt. Depuis que ma petite sœur est tombée malade, je suis plus moi-même. C'est rien. Je sais ce que tu ressens. Ah bon? Ma sœur était malade aussi. Tu vois? Il y a quelques années, ma famille et moi avons découvert que ma sœur avait un cancer. Les choses ont tellement mal tourné qu'elle a perdu tous ses cheveux après la chimiothérapie. Je l'avais jamais vue autant pleurer. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser pour aider ma sœur. Je me suis rasée la tête. Je voulais juste lui faire savoir que nous étions tous dans le même bateau et qu'elle n'était pas toute seule. Alors tu vois, c'est pour ça que je suis chauve. Et après que ma sœur se soit rétablie, je continue de me raser la tête pour aider les autres, comme ta sœur, et leur faire savoir qu'ils sont pas seuls. Oh, dis donc, je peux pas le croire. Tu es une personne formidable. Merci beaucoup d'avoir aidé ma sœur. De rien. Hé, sœurette! J'ai une surprise pour toi. Je me suis rasé la tête parce que je veux que tu saches que nous sommes dans le même bateau et que t'es pas toute seule. Oh, dis donc!